Un match qui fait le buzz, deux équipes très attendues par le public. Attendez-vous à un résultat serré ici, hein. Comme on dit, c'est un match qui va se jouer sur des détails. Et avec moi dans la tribune de presse ce soir, Thomas Lombard. Énorme ambiance ici ce soir, Thomas. Ah, je suis entièrement d'accord, quel événement. Le terrain est excellent, la pelouse est en bon état. Eh bien, je m'attends à un match serré ici. Tout peut dépendre d'une grosse erreur ou d'un moment de génie pour faire basculer l'avantage d'une équipe à l'autre. Les deux équipes vont être enthousiastes, ce devrait être une grande partie de rugby. Allez, soyons optimistes, on va se régaler. On attend maintenant que l'arbitre siffle le début du match. Et c'est parti! Coup d'envoi récupéré. Le ballon est contesté. Le ballon, il est là, on le voit. Attilio expédie avantage. Une passe courte. C'est en avant. L'action n'a pas abouti, on revient à la mêlée. Quelle faute ici! Et ils vont vraiment s'en vouloir. Première mêlée du match. Mêlée. Jeu. Ouh, énorme impact. Belle poussée des deux équipes. Elle est belle bataille, mais le ballon est disponible. Aran fait une passe courte. Lâché. Va falloir qu'il lâche le ballon maintenant. Et il fait passer le ballon. Passe vers l'intérieur. Ah, on dirait bien qu'il y a un blessé. Ah, il n'a pas l'air très en forme. Sa tête a reçu un sacré coup. Il doit quitter le terrain pour se faire soigner et pas sûr qu'il revienne. On Flexion. Va avoir une mêlée. Mêlée. Je. Voilà, un bel affrontement en mêlée. Bonne poussée des deux packs. Regardez, la balle est sortie. L'arbitre dit que le ballon est jouable. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Il fait la passe. Il fait la passe. En puissance. Il fait la passe. Brazen qui passe vers l'intérieur. En avant, ballon perdu. Avantage en cours pour eux. Il lui a glissé entre les doigts. Moment d'inattention et c'est fini. Percussion en puissance. Il essaie de le récupérer au contest. On va donc revenir à la mêlée après cet avantage qui n'a rien donné. Flexion. Mêlée ordonnée. Des signes très encourageants pour la mêlée. Elle semble très solide. Jeu. Mêlée furieusement disputée. La balle est sortie. Le demi de mêlée prend ce ballon. Coup de pied à suivre. Et très très belle touche trouvée. À suivre, touche. Bouter gagne ce ballon. Et il trouve la touche. Et c'est une touche. Jaubert le capte. Attention à ce maul. Il va falloir libérer le ballon. Soleil la transmet. En avant. Et ils reviennent pour une mêlée. Et il n'a pas pu maîtriser le ballon et a fait un en avant. Cela va être contrarié. Mêlée. Jeu. Grosse pression des deux paquets d'avant.
mêlée furieusement disputée. Le ballon est jouable maintenant. Le ballon est sorti. En avant. Ils peuvent jouer l'avantage. Pour moi, il y a clairement en avant, Eric. Je crois qu'ils l'ont toujours. Il faut attaquer la ligne. Il crochette. C'était pas le moment de tenter la passe après contact. Bon boulot pour garder ce ballon disponible. Fedo cherche des options. Avantage qui n'a rien donné. On revient à la mêlée. Mêlée qui va être ordonnée. Mêlée. La mêlée semble être un combat épique pour les deux équipes. Je. Attilio introduit ce ballon. La défense met les barbelés. Jolie mêlée et le ballon est disponible. Et il va à la mine. On dirait que le ballon est par là. Et il a franchi la ligne d'avantage. Deco avec une grosse percussion. Oh, quel plaquage. Un peu plus et c'était les urgences. Couture le récupère. Et il fait passer le ballon. Quel plaquage. Un peu plus et c'était les urgences. Petrou trouve du soutien. Feinte de passe intelligente. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Le ruck est formé, il doit relâcher le ballon. Soleil fait la passe. Avantage. En avant. Avantage en cours, ils peuvent jouer. C'est toujours frustrant de concéder un en avant comme ça, Eric. Ah, il va s'en vouloir. Je ne m'attendais pas à des fautes de main avec ces conditions météo. Ducas avec un bon sprint. Avantage. Ballon terminé. Tapé vers le camp adverse. Et très très belle touche trouvée. Et donc ils vont obtenir une touche. Bataille en touche, ballon contré. Et maintenant, c'est un maul qui est formé. Peunier, le contrôle à l'arrière. Bon crochet, bons appuis. On est tout près d'un but. L'équipe de Grenoble doit avoir conservé ce ballon. Lorsi remet la main sur ce ballon. S'ils tiennent bon sur cette action, ils auront marqué des points. Impressionnant. Remarquable. Et il marque le premier essai de ce match. C'est ce qu'un finisseur est censé faire. Regardez ça, il s'empare si bien du ballon qu'il est récompensé par un essai pour ses efforts. Occasion de prendre deux points supplémentaires. C'est un coup de pied déterminant avec un score aussi serré. Il frappe et se retourne. Il sait que c'est entre les perches. On peut sentir monter la tension, n'est-ce pas? La partie peut toujours être remportée par l'une ou l'autre équipe. 7-0 à la pause ici. Un affrontement acharné pour l'instant. Personne ne veut céder un pouce de terrain. C'est un match serré, c'est ce qui était prévu. Les gradins ne sont remplis qu'à moitié. On va dire que c'est un match un peu brouillon pour l'instant, Thomas. Jetons un coup d'œil aux statistiques. Ils doivent contrôler davantage le terrain, c'est un peu à sens unique dans ce domaine. Et c'est un nombre de plaquages assez élevé jusqu'à maintenant. La défense a été mise à rude épreuve. Bon travail fourni par les avants. On peut le voir d'après le nombre de percussions. Globalement intéressante. Coup d'envoi de cette deuxième période. Coup d'envoi bien capté. Attention, il a des appuis. Il trouve l'intervalle. L'équipe de Grenoble ne lâche rien. Lorsi le transmet. Il a pris l'intervalle. Oh, quel plaquage. Un peu plus et c'était les urgences. Ils peuvent être satisfaits de la manière dont ils ont joué ces dernières minutes. Lâché. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle.
La possession du ballon reste indécise. Récupération du ballon. Deco délivre la passe. Il passe le ballon. Soleil passe vers l'intérieur. En percussion sur la défense. Ah, les supporters ont compris que ce ballon a été perdu. Ah, il va lui falloir le temps pour reprendre son souffle. Bon contest. Berriot fait circuler le ballon. Il essaie de le récupérer au contest. Il va au sol pour récupérer ce ballon perdu. Lorsi ramasse le ballon. Meunier qui le repousse de la main. L'équipe de Grenoble va pouvoir repartir. Lorsi passe le ballon. Oh, quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. Il rafute. Kuricet qui allonge la foulée. L'équipe de Grenoble donne l'impression d'avoir toujours le ballon. Joli passe pour son soutien. Le ballon retourne vers l'intérieur. Berriou lance la charge. Jolie course. Oh, quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. Il assure la passe. Il percute le premier rideau. C'est la ligne des 10 mètres. Faudrait libérer les ballons plus vite que ça. Une belle accélération. Oh, incroyable. L'équipe de Grenoble cherchant à déblayer. Kuricet avec une passe courte. Allez, c'est une occasion en or. Il a récupéré le ballon. Ce sera une touche. J'ai l'impression que leur jeu leur a donné une grande confiance. Ballon capté par le contre en touche. Ah, c'était une jolie passe. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Lâché. Le ballon est contesté. Fait circuler ce ballon. Petrou qui attaque la ligne. Attention à ce sprint. Couture trouve un coéquipier. Oh, quel plaquage! Un peu plus, c'était les urgences. Il percute. Belle accélération. C'est une très belle percée. Il s'est rapidement remis sur ses pieds pour contester le ballon. Brezin avec une bonne passe très précise. Lors, le passe à un joueur lancé. Est-ce qu'ils ont encore le ballon? Eh bien oui. Et hop, il prend le ballon. Ah, il accélère. Récupération du ballon. Bien joué sur ce contest. Attilio à l'origine de ce ruck. Bécard qui passe. Attention au crochet. Il attaque la ligne. Affûte, mais plaqué quand même. Il passe par le sol. Une belle course dans la défense. Le ballon est contesté. Jolie petite passe. Il redonne à l'intérieur. À l'assaut du rideau adverse. Nouveau point de fixation. Lâché. Il essaie de le récupérer au contest. En percussion. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Il y va tout droit. Lâché. Il essaie de le récupérer au contest. On approche de la fin du match. Jaubert passe le ballon. On dirait que le ballon est par là. Il assure la passe. Boulian avec un bon jaillissement. Et c'est au-delà de la ligne de touche. C'est donc une touche. Ah, rien n'est joué tant que la partie n'est pas terminée, mais c'est bientôt la fin. Boutet s'empare de ce ballon. Très bonne touche exécutée proprement. Et il trouve une très belle touche. Et c'est une touche. On est maintenant dans la dernière seconde de la partie.
Pinard le capte bien. Ah, belle touche, très propre. Il le fait passer. Deco fait circuler ce ballon. Attention, il cavale. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Va essayer de déborder. Attention au zigzag. Et le crochet. Et porte le ballon jusqu'à la ligne des 22. Viars passe ce ballon. Julian avance avec le ballon. Il fonce tout droit sur les défenseurs. La vitesse de la ligne de défense est inférieure à la moyenne. Il attaque la ligne. Oh, fantastique. Ah, il va lui falloir du temps pour reprendre son souffle. Attilio assure la passe. 3 sur la défense. Oh, quel plaquage. Un peu plus, c'était les urgences. Incroyable. Attention, tout près de la ligne. Lâché. Le ballon est contesté. Ouf. Il y a quelque chose à faire ici, sans doute des points à grappiller. Murat est trop puissant, impossible à rafuter. Lâché. Bon contest. Lesbo qui progresse au-delà des 5 mètres. Bon dégagement qui trouve la touche. Et l'arbitre siffle la fin de ce match. L'équipe de Grenoble sort vainqueur de ce match. Ouais, la partie était intéressante. Ils ont réussi à l'emporter malgré une bataille très 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 serrée. Ils ont perdu la balle beaucoup trop fréquemment. C'est un vrai problème pour eux. Les deux équipes ont très bien préparé cette rencontre. Et au final, c'est un match très serré, Eric. Eh bien voilà, un match bien équilibré qui nous a fait passer un bon moment de rugby. L'équipe de Grenoble remporte ce match. Thomas et moi-même vous disons au revoir, à bientôt.